كما تعرفوا الوضعية تاع واد سوف depuis le début du championnat كانت comment dire plein de problèmes. Déjà le problème numéro un c'est la non qualification des joueurs. D'accord. Donc les اللاعبين ما كانوش مأهلين. واد سوف لقى روحو il s'est retrouvé avec des joueurs espoirs, des joueurs non qualifiés. Donc il y en avait qui s'entraînaient pas, Madjouch. Donc après la qualification de quelques joueurs, on s'est retrouvé avec peut-être deux ou trois joueurs qui s'entraînaient régulièrement et encore. Peut-être qu'ils ne s'entraînaient pas depuis deux ou trois mois. Tu es obligé de refaire toute la préparation pour quelques joueurs, etc. Et on avait dans l'effectif des joueurs jeunes qui travaillent. Mais bon. Voilà, à ce niveau, vous savez que voilà, il faut déjà une équipe bien fournie, avec une profondeur de banc qui est acceptable. Mais bon, ces jeunes-là travaillent, on travaille ensemble. Et bon, la situation de Waad Souf, 4 points, la phase aller. Donc, c'est le premier match à la phase retour. Je pense, si vous avez suivi un peu Waad Souf, vous avez remarqué qu'il y a un changement. On a un groupe dans le classe Mercato, donc ce groupe-là à Oubayin. On travaille avec ce groupe. Moi, personnellement, je suis avec ce groupe depuis à peu près moins d'un mois, on va dire aujourd'hui un mois. Donc je vois un peu la progression. Inch'Allah, on a comment dire, d'Amnab, quelques joueurs. Le mercato à des postes bien précis, inchallah. La rahine y a ton moussaada. Ou moi je dis rien n'est encore joué, surtout le bas de tableau. Hein, donc on est trois équipes, je pense, à se tirer la bourre. Donc à une genre de mini championnat entre nous, tout peut arriver.